Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Cette caméra est extrêmement mal installée puisque vous voyez la moitié de ma hotte, mais je n'arrive pas à faire mieux ce matin. Aujourd'hui, journée tranquille, j'ai un petit rendez-vous téléphonique d'ici une vingtaine de minutes avec une personne qui va m'aider à optimiser mon... Je ne sais même pas comment expliquer ce que cette personne va faire parce que je ne connais pas les termes. Bref, j'ai un blog avec tout un back-office, avec plein d'extensions, plein de choses installées. J'ai beaucoup de ralentissements. Je me demande si en termes de sécurité, de sauvegarde, etc., on est bien. Et moi, je ne peux absolument pas me pencher sur la question parce que je n'y connais rien. Donc je prends un professionnel pour s'en occuper et j'ai un petit rendez-vous téléphonique voilà, d'ici une vingtaine de minutes avec lui pour qu'il me fasse un devis déjà et que je puisse lui faire part de mes demandes et que lui peut-être me fasse un audit aussi de mon site. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire. Je sais qu'il y a des choses à faire mais je ne sais pas exactement quoi. Ouh, je vais prendre cette tasse, ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise. C'est une tasse Ben Simon. Je ne sais pas si vous saviez que Ben Simon faisait aussi de la déco, un petit peu de vaisselle. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et voilà, le reste de la journée, ça va être assez tranquille. J'ai pas mal de choses à faire sur mon ordinateur, notamment monter un épisode de podcast. Et puis des trucs du style faire des lessives, vider la litière du chat, ce genre de réjouissance. Et voilà, je vous emmène avec moi. On va allumer ça parce qu'il fait quasiment nuit. Oui, allô? Oui, bonjour. Oh bah j'ai bien une trentaine de minutes, mais c'est à vous de me dire si vous avez autre chose à faire, on peut faire plus court aussi. Et puis bah forcément il y a des bugs qui se sont un peu installés au fil des années. Bon, je viens de finir mon rendez-vous téléphonique avec la personne qui va sûrement m'aider voilà, sur tous ces aspects techniques, sur le serveur de mon blog, etc. Autant vous dire que j'étais pas dans mon élément parce que j'y connais rien, mais heureusement, ces gens-là sont très pédagogues. Très patient, s'occuper de me faire tout un audit de tout ça et me faire une proposition pour que ça soit un peu plus performant et professionnel. Je suis à nouveau vêtue, je repars, j'ai un rendez-vous médical auquel il faut que je me rende d'ici une vingtaine de minutes. Je vous fais juste ma petite tenue du jour parce que j'ai une pépite sur moi que je viens d'acheter et que je veux vous montrer. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vue. La pépite, c'est cette parka de la marque Icode. Icode, d'après ce que j'ai compris, c'est la petite sœur de la marque IKKS. Qui est une marque que je connais de nom mais dans laquelle j'ai jamais acheté, ni Icode ni IKKS d'ailleurs. Je suis passée devant la vitrine du magasin Icode à Annecy qui est rue Vaugelas, rue Sommeiller, je ne sais pas, j'ai toujours confondu ces deux rues, bref, pas très loin de la gare. Et ce qui m'a vraiment scotché, mais je pense que ça va absolument pas se voir à la caméra, elle est toute pailletée. Quand on est au soleil ça se voit bien, mais là dans le retour écran je le vois pas, donc vous n'allez probablement pas le voir non plus, mais croyez-moi sur parole, elle est toute pailletée. Cette parka a des détails magnifiques. Elle est fendue ici avec des boutons pression si vous voulez l'ouvrir. Vous avez une doublure intérieure matelassée sans manches que vous pouvez porter seule. C'est elle qui contient la capuche. Et par-dessus, vous avez cette parka, donc vous pouvez porter les deux séparément. Ça, sans manches, je l'ai essayé dans la boutique. Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt avec mon style vestimentaire, mais ça a le mérite d'exister. En revanche, la parka sans l'intérieur me plaît bien. J'adore cette petite couleur. Un peu camel orangé. Il y a les petits liens ici qu'on peut resserrer à la taille pour la faire un peu cintrée. Elle est magnifique. Je la porte avec une écharpe que j'ai piquée à Quentin, ne lui dites rien. Mon pull des petits hauts qui est vieux comme Hérode. Mon jean slim, je confonds toujours, c'est le Gaspard de chez Promode. Au pied, j'ai mes Vans. Vous voyez, je suis sur la même tonalité de couleur. Et en sac à main, le numéro 8, je crois, de chez Pollen, qui m'a été offert par la marque. Je vous en avais parlé dans une vidéo que je vous mettrai sur l'écran, qui est d'une beauté. Et écoutez, ça fait un petit look, ça fait un petit look sympa. C'est monochrome, hein. Christine Accordula, elle sera en PLS, parce qu'elle dit toujours qu'il ne faut pas s'habiller de la tête aux pieds dans la même couleur, et surtout pas assortir les chaussures au sac. Alors, c'est pas assorti, mais voilà, on est dans les mêmes tons. Moi, je suis fan. J'adore. Bon, je file parce que je vais être en retard. Oh, je viens de rentrer de mon rendez-vous. Il fait extrêmement froid. Enfin, il fait moins 2, donc on a vraiment connu pire, mais je sais pas si je suis pas un peu arrivée à saturation du froid. Pourtant on n'a pas eu l'hiver le plus rude en Haute-Savoie, surtout pas le plus long, parce qu'il fait pas très froid depuis très 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 longtemps. Ouh, je suis transit froid. Ça va me permettre de vous montrer mon astuce pour me tenir chaud à la maison. J'ai reçu une petite pépite que vous avez déjà vu passer sur Instagram aussi,
si vous m'y suivez. Une veste qui est très très chouette, je vais vous la montrer juste après. Et maintenant que je suis réchauffée, je poursuis avec la collaboration du jour. Cette vidéo est donc en collaboration avec la marque Ola Henriksen. Je dis toujours Ole Henriksen, mais ça se prononce bien Ola Henriksen, qui est une marque de cosmétiques qui fait grand bruit pour une très très bonne raison, parce que leurs produits sont absolument incroyables. Ils viennent de lancer dans la gamme Strength, que vous connaissez peut-être parce que je vous en avais parlé, grâce à cette crème que je vais vous représenter dans la vidéo, la Hydra Barrier Nourishing Face Oil, qui est une huile visage que j'ai reçue de la part de Théo, qui travaille donc pour la marque Ola Henriksen. J'ai commencé à la tester au moment de mon séjour à Paris. J'avais fait un vlogmas pendant mon séjour que je vous mettrai sur l'écran. Donc je m'en sers tous les soirs quasiment depuis que je l'ai reçu. C'est souvent ce que je fais quand je reçois un produit pour une potentielle future collaboration. Si le produit me plaît, bien sûr, je m'en sers vraiment tous les soirs avec rien d'autre pour vraiment voir les effets. En m'en servant du coup tous les soirs depuis début décembre jusqu'à la fin janvier, voilà ce que j'ai utilisé. Donc je ne vais pas la vider dans l'évier pour vous faire croire que j'ai utilisé plus de produits. J'ai vraiment utilisé que ça. C'est une huile qui est hyper hyper concentrée. De toute façon, le packaging est fait pour, quand vous appuyez sur la pipette, voilà la quantité qui vous est proposée. Donc ça, pour le visage, c'est largement suffisant, donc c'est très très économique. Et les soirs où j'ai vraiment envie de m'en mettre une quantité astronomique pour avoir un truc hyper réconfortant, je mets deux pipettes, mais vraiment une, c'est largement suffisant. Le but de cette gamme Strength, c'est de renforcer la barrière hydrolipidique de la peau, donc c'est vraiment une gamme qui va venir renforcer les défenses de la peau au fur et à mesure d'utilisation. Donc si vous avez une peau qui est sensible, qui a du mal à réagir au froid, au stress, aux agressions extérieures, c'est une gamme qui est vraiment pensée pour ces peaux-là. À l'intérieur, vous avez une combinaison de plusieurs ingrédients que je vais vous présenter tout de suite, et je vous glisse maintenant une petite séquence où je vous montre l'application de l'huile pour que vous puissiez la voir en action. Alors à l'intérieur, on a trois peptides qui vont donner des résultats sur tout ce qui est rides, ridules, pour avoir une peau plus lisse, plus rebondi. Et on a également des huiles de baie scandinave. Il y a de la mûre des marais, de l'airelle rouge et de l'huile de sureau pour vraiment une base hyper hyper hydratante. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus, cette huile? Déjà au niveau de l'application, comme vous le voyez sur les images, c'est une huile qui est assez conventionnelle en termes de rendu, mais elle a une texture qui est vraiment, je trouve vraiment en affinité avec la peau. C'est la peau qui va en profiter et pas votre tête d'oreiller ou vos cheveux quand vous vous retournez dans le lit. Pour peu vous restiez sur la dose que je vous ai présentée au début de la séquence, où vraiment vous mettez la petite pipette comme elle est proposée par la marque. Et les peptides qui sont contenus dans l'huile vont vraiment renforcer la barrière de la peau. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué sur deux aspects. Notamment si vous avez un peu des irritations. Alors avec le froid, en ce moment, on est en plein dedans. J'étais au ski pas plus tard qu'hier, non avant-hier. Et je suis revenue avec forcément des petites desquamations au niveau du contour de la bouche, parce qu'il faisait moins 10 ou moins 12. Quand j'applique le produit le lendemain matin, ma peau, elle est complètement régénérée de l'intérieur. Elle est vraiment bien nourrie et pas juste en surface. Ça vient vraiment... Et c'est là qu'on s'en rend compte au fur et à mesure des applications, ça va venir vraiment renforcer la peau de l'intérieur, et je trouve que ça se remarque réellement. Donc moi j'ai vu une efficacité sur voilà, ces petites irritations. Et l'autre point à noter, alors qui n'était pas du tout une promesse de la marque, ni dans le communiqué de presse que j'ai reçu, ni sur la fiche produit, etc. Moi j'ai une vraie diminution des cicatrices d'acné. Alors j'ai plus beaucoup beaucoup d'acné, mais j'ai quand même régulièrement des boutons, surtout que là je suis dans la période hormonale où c'est bien vénère. Et je trouve que ma peau se régénère plus vite, tout simplement, et les marques restent moins longtemps. Et vraiment, quand je me sers régulièrement de l'huile, quand je la mets tous les soirs pendant plusieurs jours, ça se remarque vraiment. Donc vraiment une pépite. Je vous avais parlé de ce produit, si vous me suivez sur Instagram, courant décembre, je vous mettrai la story ici en vous disant je teste un produit mystère, il y avait tout un embargo, j'avais pas le droit de vous en parler. Et voilà, je peux vous confirmer que cette huile est vraiment incroyable. L'autre produit de la gamme, je vous le présente rapidement, il a fait partie de mon best of beauty de l'année 2022. Vraiment, cette crème est incroyable. Elle est plus axée hydratation que nutrition, mais elle a quand même, je trouve, une fonction nourrissante, mais qui est presque imperceptible parce que la texture est vraiment, vraiment intrigante. Elle méritait vraiment sa place dans mon best of 2022. On est sur un gel crème qui a une texture un tout petit peu solide, et ensuite sur la peau, c'est comme de l'eau, quoi. Ça rentre instantanément, mais c'est pas juste hydratant, il y a aussi cette fonction nourrissante qu'on ressent au fur et à mesure des applications. C'est une crème qui est d'un confort incroyable. Si vous êtes plus friand d'une texture crème plutôt qu'une huile, vous pouvez foncer. Elle mérite complètement sa place dans mon best-of, parce que autant en termes de texture que de plaisir d'utilisation, c'est un produit qui est complètement unique. Et je reprends mes petites notes pour vous faire part d'un code promo hyper intéressant. Donc Ola Henriksen est en vente en exclusivité chez Sephora, en boutique et sur le site en ligne. Avec le code promo NEROLIOULA25 que je vous note sur l'écran et que je vous mets également sous la vidéo, vous avez moins 25% sur tous les produits de la marque, sans minimum d'achat. Attention, le code ne dure que 7 jours à partir du moment où vous verrez cette vidéo. Donc vous pouvez tester cette gamme, il y a plein d'autres très 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 belles choses. La gamme à la vitamine C, le contour des yeux Banana Bright qui est absolument incroyable, le tonique dans le flacon bleu que ma belle-mère adore. Bref, profitez de ce code pour vous faire plaisir sur le site de Sephora, et je remercie les équipes pour leur confiance.
l'ascenseur si vous voulez. Merci beaucoup. J'ai fait un truc que je fais très rarement. Je me suis commandé à manger ce midi. Je suis toute seule ce midi. Quentin est au travail et Inès est à la cantine. Je me suis dit qu'avec mon rendez-vous médical, je serais sûrement à la bourre pour aller la chercher à l'école. Et en fait, j'ai bien fait parce que sinon, j'aurais couru comme une dingue. Donc, elle va toujours à la cantine à peu près une fois par semaine. Et je me suis commandé un bagel. J'ai pris chez... Comment ça s'appelle ? Bagel et compagnie, tout simplement, à Annecy. Je crois que c'est le truc de bagel qui est dans le centre culturel à Bonlieu. J'ai pris donc un bagel Manhattan, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, du pastrami, de la moutarde, des cornichons, du cream cheese peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas ça a l'air pas mal. Et puis après bah, j'ai pris le menu, hein. Ah là là, j'étais bien obligée de prendre un donut avec des Oreos dessus. Écoutez, c'est pas ce que j'ai demandé, mais c'est très bien. Enfin, j'ai demandé donut chocolat, donc parfait. Et en boisson, de l'Icy, qui est vraiment le seul soda que je tolère, on dira. Je dis que je tolère parce qu'en fait, je supporte pas les boissons gazeuses. Donc, à part l'Icy, il n'y a pas non plus 1500 choix. Une petite paille pour mettre là-dedans parce que je déteste boire à la canette. Je vais manger ça. Je suis installée sur le canapé, donc je pense que je vais finir le... Je vous avais dit que j'en reparlerai, donc j'en profite pour faire dans cette vidéo le reportage sur l'affaire Outreau. C'est passé sur France 2. J'espère que quand vous verrez cette vidéo, le reportage sera toujours en ligne, en replay. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Si j'en trouve pas, c'est qu'il est plus dispo. Il est très 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 dur, ce documentaire. J'aime pas parce qu'il y a des reconstitutions et c'est un truc qui me met extrêmement mal à l'aise. Donc des acteurs qui jouent des rôles et tout, j'aime pas. Et puis dès qu'un acteur reprend une scène réelle, bah, avec toute la bonne volonté du monde, ça ne ressemble jamais à la réalité. Donc ça me plaît pas. Mais tous les éléments factuels, les victimes qui commentent, qui expliquent, c'est très très dur. Très instructif, très bien fait, mais très dur à regarder. Donc je vous mets quand même en garde. C'est une affaire qui est quand même compliquée. Ça parle de viol sur mineur et tout. C'est vraiment... Voilà, c'est pour un public averti. Mais j'admets que c'est extrêmement bien réalisé. Allez, on croque une fois pour voir ce que ça donne. C'est parfait. Exactement ce que je voulais. Bon, j'ai fini de manger et je me suis régalée. Et alors, la veste dont je voulais vous parler, je l'ai reçue de la part du site L'Exception, mais je crois qu'elle n'est malheureusement plus disponible, ce qui est dommage. Alors, c'est une veste de la marque Kaway. Vous reconnaissez le petit liseré, là, qui est réversible. Alors, je ne me vois pas la porter côté blanc, mais écoutez, le côté blanc a le mérite d'exister. Après, on en fait bien ce qu'on veut. Elle tient. Tellement chaud, elle est tellement mignonne. Elle est vraiment adorable, cette veste. Elle existait dans d'autres combinaisons de couleurs, donc j'essaierai peut-être de vous trouver un lien. Alors elle est blanche, hein, donc là je l'ai portée deux jours, il y a un peu des traces de fond de teint. Faut quand même la laver assez régulièrement si vous vous maquillez tous les jours. Voilà, vous avez le petit logo ici. Donc franchement, bravo pour le rebranding, hein, Kaway, parce que bah, comme le nom l'indique, ils ne font plus que des Kaway. Ils font aussi des petites vestes. Moi je la porte en veste d'intérieur parce que... Voilà, c'est pas trop mon style de mettre ça dehors. Enfin, quoique je vais au sport avec. Parce qu'en hiver, je mets pas de manteau. Je mets ça avec un bon pull en dessous. Et pour juste sortir de ma voiture, ça va. Mais elle est très 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 mignonne, cette petite veste. Et elle tient surtout extrêmement chaud. Tous les télétravailleurs qui me regardent. Si vous la trouvez, je crois qu'elle n'était plus dispo. Mais si vous la croisez, foncez, elle est géniale. Comme vous pouvez le constater avec la lumière qui baisse, on est en fin de journée, 17h21. Inès est rentrée de l'école. Elle lutte... sans cesse contre les virus hivernaux. Elle a plutôt une très très bonne santé de base. Je touche du bois pour que ça continue. Mais là, on sent que ça n'arrête pas, quoi, entre les virus intestinaux, respiratoires. Elle est bien fatiguée. Je voulais vous parler de ce livre que je suis en train de lire. Je ne lis pas assez en ce moment. Je devrais lire davantage, mais je me rends compte qu'on est vraiment pas mal devant la télé dernièrement. On regarde l'agence, le replay. On ne regarde jamais en direct à la télé, parce que je trouve que ça commence trop tard, enfin que ça finit trop tard, surtout. Et les pubs ras-le-bol, donc en replay, il y a quand même des pubs, mais un peu moins. Et on regarde aussi Qui veut être mon associé. Voilà, c'est deux émissions qu'on aime beaucoup en ce moment, donc du coup, par extension, je lis moins. Donc là, j'en suis au premier quart de 3 de Valérie Perrin. J'avais adoré Changer l'eau des fleurs, qui s'est hissé... je sais pas si je l'ai là, si il est là... qui s'est hissé dans mon top 3 de mes livres préférés de toute ma vie, à partir du moment où je suis arrivée dans les dernières pages. Ce roman est incroyable, vous ne pouvez pas passer à côté, il est d'une poésie, il est assez dur, hein, mais il est d'une poésie rare. Et celui-ci,
J'accroche beaucoup, je suis moins... Enfin, vraiment, changer l'eau des fleurs, c'était un coup de foudre dès les premières pages. Du coup, en comparaison, celui-ci, un peu moins, mais ça veut pas dire que je l'aime pas, c'est juste que l'autre a placé la barre très très haute, mais je l'aime bien. Ça a l'air d'être voilà, plusieurs destins qui se regroupent à un moment donné autour de quelque chose. Je comprends pas encore tout bien, voilà, parce que j'en suis au premier quart. Mais j'accroche bien. Tout ça pour vous dire que je rédige régulièrement des articles sur mon blog, sur mes lectures du moment, parce que vous me posez beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc quand vous verrez cette vidéo, normalement un article sera sorti le mercredi juste avant, donc je vous mettrai ça sous la vidéo si vous voulez aller le voir. Et ça c'était la petite pochette, pochette à ce qu'on veut d'ailleurs, mais dont je me sers comme pochette à livre, qu'on avait fait avec Romane de Trinquette, avec ma meilleure amie Morgane. C'était une petite co-création que j'aime toujours autant. Et puis sinon dans mes lectures, bah, j'ai toujours voilà, mes manuels de piano. Ça avance bien, pareil, vous me posez plein de questions à ce sujet-là, ça me plaît toujours autant, je fais beaucoup de progrès, comme je vous avais dit dans le dernier vlog, plus que ce que je pensais, donc c'est toujours aussi épanouissant. Quentin vient de partir à sa soirée avec ses collègues, donc je file rejoindre Inès pour qu'on passe la soirée toutes les deux. Je vous l'avais déjà dit, mais du coup elle a pour habitude d'appeler ça une soirée pyjama, alors qu'en réalité on fait pas grand chose de plus à part s'endormir ensemble, mais on va dire que c'est vraiment le... juste le fait de donner un titre à ces soirées qui rend le truc mille fois plus fun. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.